bonjour, tout est l'honneur. C'est Tandis, professeur de 7e année géométrie. Donc, dans la séance, ça, nous allons parler de triangle. Et chapitre ça, la page 200 qui arrive. Qui ça, un triangle? On dit que un triangle, c'est un polygone à trois côtés. Et polygone, là, qui ça dit? Polygone, c'est une figure géométrique qui n'a pas une forme régulière. Donc, il y a une forme, mais qui n'a pas même genre un cercle, qui n'a pas un carré, etc. Donc, nous disons que triangle ça, comme exemple nous avons dans le livre, il y a trois côtés. Et les points E, D, E, F, D sont les sommets. Donc, dépendamment de gens positionnés, de gens fait triangle, chaque point ça va être utilisé comme un sommet. Et ici, il y a chaque segment, ça, chaque point, ça, non seulement chaque point, ça va être utilisé comme des sommets, mais il y a tous ces segments. Et là, regardez dans l'exemple, nous avons dans le triangle, ça, nous avons au moins trois segments. Le premier segment, c'est XAE, c'est DE. Deuxième segment, c'est DF. Troisième segment, c'est E. Donc, polygone, ça, nous avons trois côtés. Et chaque côté, ça, ils sont considérés comme un sommet, dépendamment de gens ou disposés triangle. Deuxièmement, triangle rectangle. Qui sont triangle rectangle? En plus, là, nous avons connaissance sur lui. Je dis que c'est un triangle qui a un angle droit. Angle droit, c'est qui ça dit? C'est un angle qui mesure 90 degrés. Et qui est donc connaît en ça, mesure 90 degrés, c'est avec un rapporteur. Donc, on dit que ce triangle ABC a un angle. En A, l'angle de sommet A est droit. Donc, côté nous est angle, il fait 90 degrés là. Donc, le tout bas est triangle, caractéristique ça qui est le triangle rectangle. Donc, depuis que nous avons une figure qui vient en angle 90 degrés, pour la mesure de triangle rectangle. Et sommet A, c'est A. Triangle isocèle. Triangle isocèle là, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Deux côtés de même longueur. On dit que ce triangle MNP est isocèle en M. Le point M est son sommet principal. Le côté NP est sa base. Donc, caractéristique d'un triangle isocèle, c'est le sommet principal là. Et deuxièmement, base. Ça pour bien maîtriser, c'est que le triangle isocèle là, il y a deux côtés de même longueur. Triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Le triangle RST est équilatéral. En particulier, il est isocèle en R, mais il est aussi isocèle en S et isocèle en T. Pourquoi ça veut dire ça? Parce que toute distance triangle équilatéral est la même. Donc, si la première distance est égale à 3 cm, deuxième est égale à 3 cm, troisième est égale à 3 cm. Et on dit tout, l'isocèle en R, pour ça parce que dans la disposition où je fais triangle équilatéral, moi, R là, c'est sommaire. ST, il y a besoin de base. Quand ça va poursuivre de mettre de la façon, S là, c'est sommaire et RT est la base. Là. Et troisième façon, TA TK sommet A, RS TK base A. Donc, en conclusion, dis-nous, on dit quelquefois que le triangle est quelconque pour indiquer qu'il n'est ni rectangle ni triangle. Donc, troisième, quatrième catégorie, nous avons des triangles quelconques qui va avoir une forme et qui va avoir une forme, ça va nous parler. C'est triangle, premièrement, triangle rectangle, triangle isocèle et triangle équilatéral. Comme résumé, un triangle qui a trois côtés, côté ça, il y a le sommet, et trois côtés ça, il y a utilisé comme trois sommets. Triangle rectangle, il y a un angle droit, c'est ça caractérisé. Triangle isocèle, il y a deux côtés de même longueur, il y a une base, et triangle équilatéral, il y a trois côtés de même longueur. Tout exemple, il y en a un livre là. Qui ont construit un triangle rectangle
qui nous construit un triangle équilatéral isocèle. Le livre dit nous construit un triangle ABC, tel que AB est égal à 3 cm. Ici, dans la première partie, le premier schéma, segment ABA est égal à 3 cm. Deuxièmement, AC est égal à 2,5 cm. Comment trouver AC? Nous avons utilisé compas. Pour nous jouer une distance 2,5 cm là, nous avons compas qui pourrait aller premièrement, non seulement pour nous compas, mais pour nous faire là. Lorsque nous faisons un compas, nous faisons une règle là, pour la distance là, ça nous tracer distance AC. C'est 2,5 cm. Troisièmement, c'est BC qui est égal à 1,5 cm. Donc, automatiquement, nous faisons toute longueur ça, on a bien triangle ça. Comme devoir, pour exercer nous, c'est base 201, donc pour nous construire un triangle IJK tel que IG égale à 7 cm, IK égale à 4 cm et JK égale à 6 cm. Numéro 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, lorsque l'on va construire le triangle ça, on suit l'instruction que l'exercice a fait. Distance exactement bien, c'est le bon. Parce que si nous ne pas bon, ça y est, dit nous faire la deuxième partie, nous allons faire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est 7 numéros à nous gagner pour nous exercer nous la même. Et si nous ne pouvons pas bien comprendre nos parties, nos exercices sont disponibles pour poser une question sans problème. D'accord? Merci.